Atteindre la stature parfaite de Christ. Obongisa bandimi na lolenga te baye bana kokokana na Christo. Je n'ai pas encore donné mon thème, je vais le donner tout de suite là. Na pesi mama likambo na ngai te mais na koyeba na kopesa. Je suis en train de vous rappeler certaines choses que nous ne devons pas oublier. Nazali kokanisela bino kaka makambo ya motu ya auto kokina kobosa. Donc Dieu a un objectif de perfectionner les croyants au sein de l'église jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Selon Ephésiens chapitre 4 versets 11 à 13, il a aussi un objectif d'enlever les croyants avec un corps glorieux. Selon 1 Timothée chapitre 4 versets 15 à 17, Dieu a aussi l'objectif de faire attendre pendant 7 ans les fidèles dans la maison du Père. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 versets 2 à 3. Notre Dieu étant bon, il a aussi l'objectif de faire revenir son peuple sur la terre avec Christ. Selon Zacharie chapitre 14 versets 4 à 5, Dieu ne s'était pas. Il a aussi l'objectif de faire entrer son peuple dans le millénium. Selon Apocalypse chapitre 20 versets 4 à 6, il a aussi l'objectif de les faire participer dans la dernière purification de la terre. Et enfin, Dieu atteint son objectif de faire entrer son peuple dans le règne éternel. Selon Apocalypse chapitre 21 verset 22, il y a deux semaines j'avais parlé sur le règne éternel. C'était au deuxième culte. Quand je parlais des milléniums, j'avais dit que dans les milléniums on n'aura pas la vraie paix. C'est ce que j'avais dit. Non. Quand j'ai fouillé les écritures, c'est-à-dire, même dans les milléniums, nous aurons la vraie paix. Je dois être honnête pour corriger ce que j'avais dit au deuxième kilomètre. Parce que celui qui donne cette paix-là, c'est Dieu qui est le prince de la paix. Et lui ne peut pas se contredire. Le prince de la paix ne peut pas donner une paix qui n'est pas parfaite. Bon, même si je ne prêche pas au deuxième culte, mais je corrige ça pour ceux qui m'ont suivi, même à l'extérieur du pays. Notre Dieu était prince de la paix. Donc dans les milléniums nous aurons la paix totale, la vraie paix, parce que venant de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Et ce matin, je vais parler sur un thème: l'espérance vivante et non trompeuse.
Ma prédication de ce matin ou mon enseignement, je l'intitule de la manière suivante. L'espérance vivante et non trompeuse. Nous allons lire les deux versets de base. L'espérance vivante et non trompeuse. Le premier passage, c'est dans Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons le verset 16 jusqu'au verset 19. Là, on peut se lever pour lire la parole. Éphésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Veuillez vous asseoir, nous allons lire le deuxième passage qui est dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 3 plutôt chapitre 1er pardon 1 Pierre chapitre 1er 1 Pierre chapitre 1er Verset 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 9, nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, vous avez un problème. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le fait, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 9. Oracle de l'Éternel, acclamons le roi des rois. Nous sommes en train de parler sur l'espérance vivante et non trompeuse. Une espérance vivante et non trompeuse. L'espérance vivante, bien-aimée. Je répète, et non trompeuse. C'est quoi?
L'espérance non trompeuse et vivante, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance de la vie éternelle. Cette espérance ne trompe pas. C'est l'espérance de l'enlèvement. C'est l'espérance de notre demeure éternelle. C'est l'espérance de la vie après cette vie. Sachez qu'après cette vie, nous avons une autre vie. C'est de cette espérance que je parle. C'est ce que j'appelle la bienheureuse espérance. Elle est vivante, cette espérance. Parce qu'elle est pleine de vie. C'est une espérance qui vit, qui est en vie et qui n'est pas mort. On nous avait dit, pour ceux qui sont ici depuis longtemps, même les Quinois, rappelez-vous, il y a plusieurs années passées, en 2000, il y avait beaucoup de gens qui avaient parlé qu'en 2000 Jésus-Christ va revenir. Pour nous, les plus âgés qui étions déjà en vie, qui étaient déjà majeurs, on s'était vraiment mobilisés ce jour-là. Nous, on pensait que Jésus-Christ allait revenir. Je pense que vous vous rappelez avec moi. Ce jour-là, les gens avaient même passé des nuits de prière, ils avaient veillé. 2000 ans, Jésus-Christ va revenir. C'est la fin du monde. Jésus va revenir. Nous, nous étions ici à Kinshasa. Moi, je me rappelle, j'avais passé une nuit dans une église. On avait peur. Oh, Jésus revient aujourd'hui. Les dires des gens. C'était des dires des gens. Ce n'était pas une espérance vivante. Les gens nous avaient trompés. Les prophètes de ce monde nous avaient trompés. Or, que dit la Bible? Même Jésus-Christ dit dans la Bible que ce jour-là, même lui, Jésus, il ne le connaît pas. Seulement son Père. Mais vous voyez comment on nous avait nourris dans les mensonges. Qui sait le jour que Jésus-Christ reviendra? Il va nous surprendre. Donc c'était une espérance non trompée, une espérance trompeuse. Que Jésus va revenir en 2000. Parce que fondé par les gens. Mais nous, nous savons que l'espérance qui n'est pas trompeuse est dans la parole. Jésus-Christ a dit, ce jour-là, moi je ne le connais pas, mais mon Père le connaît. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ reviendra. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? L'espérance vivante et non trompeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Voyez même dans la Bible, quand il a promis à Abraham la progéniture, la bénédiction, il l'a fait. La Bible dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Comme il a dit qu'il reviendra, il reviendra. C'est une espérance qui ne trompe pas. Amen. Amen. La promesse de Dieu est pour nous, pour nous l'Église. Il a promis dans Jean chapitre 14. Nous pouvons lire ensemble. Jean chapitre 14. Nous lisons à partir du premier verset. Quelle est l'espérance qui ne trompe pas? C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 14 à partir du premier verset. Ma Bible déclare,
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. C'est une espérance vivante. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Là où moi je suis, vous mes enfants, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dieu, Nzambe, il ne ment pas. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Nous, nous sommes les plus heureux, les bienheureux de l'Éternel. Nous avons une promesse vivante. Ça, c'est une promesse non trompeuse de la vie éternelle. Il dit, alobi, moi je vais vous préparer une place pour que là où moi je serai, là où moi je suis, vous aussi un jour que vous y soyez. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai. C'est cela l'enlèvement. L'espérance non trompeuse. L'enlèvement est une réalité. Mes frères, l'enlèvement c'est une vérité. Jésus-Christ viendra sur cette terre. Il va rester dans les airs pour enlever son église. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, qui peut comprendre ces choses? Qui peut comprendre ces choses? C'est celui qui est illuminé. Celui qui est éclairé. Si tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas comprendre ces choses. Qui peut comprendre ces choses? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Selon Ephésiens chapitre 1er, verset 17, je peux lire rapidement parce que je dois appuyer tout ce que j'ai dit par le verset biblique. Ephésiens chapitre 1er, verset 17, que dit la Bible? La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et si vous continuez, la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et vous pouvez continuer. Vous voyez, celui qui peut comprendre ces choses, celui qui peut comprendre que l'enlèvement est une réalité, celui qui peut comprendre que sur cette terre je suis passager, c'est celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui a la révélation, c'est celui qui a la connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie pour ses bien-aimés d'Éphèse. Il dit, je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux. C'est notre prière, nous aussi les serviteurs de Dieu de cette église. Que Dieu vous ouvre les yeux pour vous faire comprendre que sur cette terre nous sommes des passagers. Et qu'un jour, nous sommes appelés à rester avec notre Père. Oh bien aimé, c'est une joie de rester avec notre Père. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Je parle de l'espérance qui ne trompe pas. Il y a des gens qui mettent l'espérance dans leur
soit disant, je ne sais pas, l'icône à famille. Mais ils finissent par mourir. Mais ça, c'est une espérance vivante. Bien-aimés, lisons la Bible. Ne nous fatiguons pas. Évangile selon Jean chapitre 11. Évangile selon Jean chapitre 11. Nous sommes au 25e et 26e verset. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Même s'il mourait dans ce corps, il vivra. L'espérance d'un chrétien. L'espérance non trompeuse. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. C'est l'espérance qui ne trompe pas. Mes frères, je peux mourir aujourd'hui dans ce corps corruptible. Je peux mourir. Ça peut être la, Dieu est souverain, je peux mourir. Mais je vivrai. Je vivrai. La vie ne s'arrête pas ici. La vie continue au ciel. Je suis pauvre. Je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas la fin du monde. Je peux manquer des enfants. Je peux demeurer pauvre sur cette terre. Mais je vivrai. Je vivrai. Est-ce que quand nous serons au ciel, nous irons avec les enfants? Ça, c'est une vie terrestre. Mais si Dieu est souverain, il a décidé que je n'ai pas des enfants. Ce n'est pas facile de ne pas avoir des enfants. Mais au-delà des enfants, il y a une autre vie. Je vivrai. Et là, Kuna, mes frères, il n'y aura pas de problème des enfants. Kuna bana, non, ça sera seulement la joie, Kune kozala, la paix, kimia, la gloire. Kembo. Je vivrai. Nakobika. Vous savez, la richesse de ce monde, c'est une grâce. C'est une grâce. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un a construit des immeubles, si quelqu'un est PDG dans une entreprise, croyez-moi, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui n'ont absolument rien. Je vous dis la vérité. Il y a les gens qui ont beaucoup étudié, mais sur le plan vie terrestre, il ne se retrouve pas. Si toi, Dieu t'a béni, tu as acheté une parcelle, c'est seulement une grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi, tu as eu un travail qui te donne 2000 dollars par mois, non, c'est une grâce. Dans les bonnes entreprises, là, tous ceux qui travaillent ne sont pas plus compétents que nous tous ici. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais même si je suis pauvre sur cette terre, j'ai l'espérance qu'il ne trompe pas. Un jour, je serai avec mon Seigneur. Je mangerai avec lui. Je vais oublier les histoires de travail. D'ailleurs, ici, si tu as un travail, tu dois quitter cette terre. Il y a des conditions, tout ça.
Mais là-bas, je serai seulement dans la joie. Je n'aurai pas besoin de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons le roi des rois. C'est pourquoi dans Psaume 116, verset 10. Psaume 16, verset 10. La Bible dit ceci. Non, 16. La Bible dit. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acclamons le roi des rois. Ce qui me donne moi de l'espérance, ce qui me donne moi la foi, je peux manquer sur cette terre, mais je sais une chose, que mon âme à moi ne sera pas livrée au séjour des morts. Acclamons le roi des rois. Mon âme ne sera pas livrée au séjour des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'intérêt de s'accrocher à ce qui est céleste. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 9 que nous avons lu, parmi nos deux versets de vase, la Bible dit, nous devons bénir l'Éternel. Que Dieu soit béni pour nous. Nous devons bénir Dieu de toutes ces bonnes promesses pour nous. Si vous lisez dans ces versets, dans ces passages-là, et s'il faut bien les décortiquer, la Bible nous montre que Dieu dispose pour nous une puissance extraordinaire. Il dispose pour nous une puissance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait en ressuscitant Christ d'entre les morts. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vain. Mais bonne nouvelle pour moi. Bénédiction pour moi. Assurance pour moi. Christ est mort pour moi. Il est ressuscité. Il n'est pas dans les tombeaux. Donc mon espérance n'est pas trompeuse. Comme il est ressuscité, ma foi n'est pas vaine. Acclamons le roi des rois. Et si vous prenez le verset 4 de ce même passage de 1 Pierre chapitre 1er, que nous avons déjà lu, la Bible dit que cette puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection de Christ, nous amène à son héritage. Je ne fonde pas, c'est ce qui est écrit là-bas. Cette puissance de la résurrection nous amène à son héritage. Comme Christ est ressuscité des morts, nous sommes l'héritier. L'héritier de la promesse. Nous l'Église. Et le verset 6 de 1 Pierre chapitre 1er dit ceci. Malgré les épreuves temporaires, notre résultat sera la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré les épreuves temporaires, vous savez, les persécutions de ce monde, les épreuves de ce monde, les difficultés de ce monde sont temporaires.
Lisez la Bible. Au verset 6 de 1 Pierre, chapitre 1er. La Bible appelle ces épreuves-là temporaires. Qui aura pour résultat la louange. Bien-aimés, nous serons dans la louange. Nous serons dans une joie ineffable. Les résultats, ça sera la gloire. Le résultat sera l'honneur à l'apparition du Christ. C'est ce que Dieu nous dit. À l'apparition de Jésus-Christ, notre résultat sera la louange, la gloire et l'honneur. Pour cette promesse-là, nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous, les enfants de Dieu, nous devons souffrir avec Christ. Nous ne devons pas souffrir pour nos intérêts. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent pour leurs intérêts privés. Moi et vous, nous sommes appelés à souffrir pour Christ. C'est ce que nous devons lire. Dans 1 Pierre chapitre 4, nous avons beaucoup lu. Et Dieu soit loué. Dieu est dans sa parole. On ne fonde pas les histoires. On doit dire ce qui est écrit. On doit éviter des tâtonnements. 1 Pierre chapitre 4. Nous lisons à partir du 12e verset jusqu'au verset 16. Mon frère, ouvre ta Bible et lisons ces passages. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. J'aime vraiment ces passages. Je l'ai toujours médité. C'est un bon passage de la Bible. La Bible dit ceci. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lors de sa gloire, lorsque sa gloire apparaîtra. Écoutez bien ce verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, en tout cas vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Écoutez le verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre pas comme un meurtrier. Notez ça. Ou voleur. Ou malfaiteur. Ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Acclamons Dieu pour sa parole. C'est vraiment très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que si vous êtes outragé pour le nom de Jésus, vous êtes le plus heureux.
Nous allons commencer la campagne. Si vous vous allez dans l'évangélisation, on vous injurie parce que vous avez invoqué le nom de Jésus. Vous entrez dans une parcelle où on vous chasse comme on m'avait moi chassé un jour. Comme moi, un musulman m'avait attaqué un jour. Il m'avait dit que Tokotumbabino. Avec le nom de Jésus. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus, vous êtes le plus heureux. Amen. Amen. N'acceptez pas d'être outragé pour des futilités. Soyez outragé pour le nom de Jésus. Et la Bible dit au verset 15 que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Si vous souffrez pour Christ, vous êtes heureux. Bien aimé, aujourd'hui il y a les gens qui ne souffrent pas pour Christ. Tu te permets d'aller, on te dit à l'église que évite l'impudicité. Mais toi, jeune fille, tu t'entêtes. Tu pars avec un mari. Tu as la grossesse. Et tu dis non pour que l'église ne connaisse pas où ma famille. Je vais aller enlever cette grossesse. À un mois, à deux mois, à trois mois. Les choses se compliquent. L'hémorragie. On appelle les gens prière. Dans la souveraineté de Dieu, tu meurs. Non, mais tu n'es pas souffert pour le nom de Jésus. Mon frère, tu vois les choses d'autrui ou l'argent d'autrui. Tu violes l'enfant d'autrui. On t'arrête, tu es à Makala. Tu vas nous demander de prier pour nous. Que l'église prie pour moi. Tu es en train de souffrir à Makala. Est-ce que tu souffres pour Christ? Ce n'est pas une souffrance pour Christ. Ce n'est pas une souffrance pour le nom de Jésus. Tu vas dans tes débauches, tu attrapes le sida. Tu commences à maigrir. Intercession, priez pour moi, priez pour moi. Tu endures. Non, ce n'est pas. Tu ne souffres pas pour Christ. Mais ma Bible dit que celui qui veut souffrir, pour souffrir pour le nom de Jésus, et non comme un meurtrier. Quand on souffre pour le nom de Jésus, on est le plus heureux. Amen. Amen. Batonga yoke ozala kaboye me ozala kaboye te. Amen. Bakoselo makambo ke ozala kaboye me ozala kaboye te. Baso koselo po na kombo na Yesu. Amen. Babia la kisakani na sambelaka. Baso tonga yo baso ridiculiser yo po na kombo na Yesu. Kombo na Yesu kaka. Oza mutu na esengo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dobete linkolo maboko makasi. Ala kisakanin aso yanake yeso ke balobi ba pesa offrande ya 10 dollars ya le kakaliboso atie kaka ko la kisabatu ndenga pesa ka 10 dollars oso tongama oso fingama oso objet à critique pour le nom de Jésus bona kombo na Yesu kaka tu es heureux. En tout cas, je vous dis la vérité, tu es heureux. Aujourd'hui, les gens souffrent pour les futilités. Mon frère, ma sœur, souffre pour le nom de Jésus. Tu es l'homme le plus heureux. Souffre pour le nom de Jésus. Au travail, on dit pour que tu aies la promotion, il faut entrer dans les loges.
Il faut entrer dans les sciences. Mais moi je dis, je n'y rentrerai pas. Je n'y entrerai pas. Comme Mardoché a dit, moi Mardoché, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas m'ingénier devant un certain Aman. Qui est-il cet homme d'Aman? Moi, à cause du nom de Jésus, je ne vais pas fléchir. J'accepte de souffrir. Ils vont dire, ils vont dire, aïe Koloba, même s'il faut périr, on périt. Je ne vais pas entrer dans les loges. Même si je vais rester huissier toute ma vie. Mais il y a une espérance non trompée qui m'attend. Mes frères et sœurs, les injustices de ce monde passeront. Les injustices de ce monde passeront. Même si on te fait pas justice. Crois en Dieu. Il y a un juste juge. Le Seigneur des Seigneurs. Quand il reviendra, il va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton père, de ton maître. Ne perdons pas la foi. Je peux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Moi je peux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je dois un peu parler sur la confirmation de l'espérance vivante. La confirmation de l'espérance vivante. Parce que nous parlons de l'espérance vivante et non trompeuse. Qu'est-ce qui confirme cette espérance-là? Oui, là j'ai évoqué quelques signes précurseurs. Les signes précurseurs de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Les signes qui annoncent son avenue, son avènement. Sa venue sur cette terre. Pour enlever l'église. Il y a beaucoup de signes bien-aimés. Cela nous prouve vraiment que ce que Dieu a promis va se réaliser. Il y a des signes immoraux. Des signes immoraux que nous voyons aujourd'hui. Il y a des signes spirituels. Il y a des signes naturels. Bien aimé, voyons, regardons maintenant. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, l'homosexualité bat son plein. Allez un peu méditer Genèse chapitre 19, versets 1 à 9. Et si vous prenez Luc chapitre 17, versets 28 à 29, la Bible dit ce qui arrivera du temps de Lot arrivera de même. Arrivera de même. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, si vous allez dans Genèse chapitre 19, verset 24. Dieu avait frappé. Aujourd'hui, l'homosexualité prohibée par Dieu, mais est exercée par les humains. Dans Lévitique chapitre 20, verset 13, Dieu interdit l'homosexualité. Lévitique chapitre 20, verset 13. Aujourd'hui, il y a beaucoup de signes immoraux. Il y a la fellation. La fellation. L'homme et la femme se prennent par
de relations, de voies bicales. Même les chrétiens le font. Même les chrétiens. Les relations d'un homme et d'une femme par la voie bicale. Ils ont laissé la voie de Dieu. Et ils, même dans l'église, les fidèles le font. Si vous le faites, nous devons demander pardon à Dieu. La masturbation, les viols, la pédophilie. La pédophilie, c'est l'inconduite sexuelle d'un adulte avec les enfants. Toutes ces choses prouvent déjà que Jésus-Christ va venir. Donc le péché s'est accru. Il y a aussi des signes spirituels qui prouvent que Jésus-Christ va revenir bientôt là. Une espérance non trompeuse. Aujourd'hui, dans l'église, il y a ce qu'on appelle formalisme religieux. Formalisme religieux. Si vous prenez 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Lisons ça. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Si vous commencez au premier verset, on dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc on parle des derniers jours. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils seront ennemis des gens de bien. Je suis en train de passer. Et au verset 5 on dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. C'est la recommandation du Seigneur. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui à l'église? Même à l'église, même dans le monde. Je parle de l'église parce que ça nous concerne. Les gens ne sont pas dans la sanctification, la vraie. Les gens ont l'apparence de la piété. Quelqu'un vient à l'église. Cependant, vous venez pour prier ou vous venez pour blaguer? L'apparence de la piété. Ici, je vois que il y a le manque de sanctification. Mais dans l'église, il y a un saint. Pasteur a dit que Ezali naba songolo. Surtout ba maman ba mivande la kabango moko. O to benga ka ba femme Israël. Surtout ba papa ba mivande la ka bangongo. Lelo komona ba to baza ba fiancé. Nanu ba bali mwana ba tuté. Kala. Asa tambola. Excusez-moi. Siko boye koko sabiswa. Formalisme religieux. Ce sont des signes des temps de la fin. Il y a aussi l'apostasie. L'apostasie qui, selon la Bible, est définie comme l'abandon de la foi qui sauve. La foi qui sauve, la vraie foi. Le fait de ne pas reconnaître que Jésus-Christ est venu pour moi, il est mort pour moi, il est ressuscité. Si je crois en lui, j'ai la vie éternelle.
Aujourd'hui, les gens bien-aimés dans le Seigneur, ils sont dans l'apostasie. Je suis en train de terminer. Lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 1er à 2. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er à 2. Que dit la Bible? Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Oui, c'est l'espérance de notre père. C'est ce que je vous dis. Pour confirmer cela, vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens abandonnent la foi. Ça prouve que nous sommes au dernier temps. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience. Amen. Amen. Donc, c'est ça ce qui prouve que Jésus va revenir. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de dirigeants des églises, ils sont nombreux, mais beaucoup sont dans les faux. Dans les loges. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'attachent à des doctrines des démons. C'est ce que dit la Bible, qu'au dernier temps, les gens s'attacheront aux doctrines des démons. Bien aimé, mais ce signe nous prouve que Jésus est à la porte. Pour confirmer que l'espérance que nous avons, elle n'est pas trompeuse. Effectivement, Jésus reviendra. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans les loges. Dans les loges. Il vient pour faire tomber les gens, mais il a une puissance qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu, vous et moi? Même à la télévision. Bien-aimé, Jésus est à la porte. Vous savez, j'ai causé avec un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Papa, je suis allé dans une église. Moi, j'ai pensé vraiment au début là que c'est vraiment une église. Mais quand nous avons commencé à prier, j'ai constaté quelque chose. Dans l'église, les gens qui sont là, les fidèles, si on cite le nom de Jésus, les gens ne sont pas vraiment du tout dans la joie. Il n'y a pas de cri de joie, il n'y a pas de gloire à Dieu, il n'y a pas de amen. Mais quand on cite le nom du pasteur là, les gens se mettent même debout. Les gens se mettent, ils acclament. Il me dit, papa, moi j'ai compris que dans cette église là, on ne donne pas gloire à Dieu, mais on donne gloire à l'homme. Laisse que chez nous à Petro-Congo, laisse que chez nous à Bethel, laisse que chez nous à l'église corps de Christ, la gloire soit rendue à l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 115, non pas à nous, mais c'est à Dieu la gloire. À Dieu la gloire. L'honneur, la gloire est à Dieu. Aujourd'hui, on adore les hommes à la place de Dieu. C'est une abomination. Les gens en rendront compte. Qu'est-ce qui se fait dans les délivrances aujourd'hui, bien-aimés? Dans les délivrances d'aujourd'hui? Non, il y a beaucoup de choses. Jésus est où? Où est-ce qu'on met la place de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient. L'espérance que nous avons, c'est une espérance qui ne trompe pas. Je termine ma prédication pour te dire ceci.
sur cette terre, Dieu nous a donné le salut qui est collectif. Oui, Dieu va sauver le monde, l'église, Ecclesia. Mais à chacun, sa part.